Le gouvernement Legault passe aux actes et lance deux projets de mini-hôpitaux privés. Un à Montréal qui prioriserait les soins aux aînés. L'autre à Québec, orienté surtout vers la pédiatrie. Deux établissements construits et gérés par le privé, où les soins seraient payés par l'État. D'avoir un partenaire privé, mais qui collabore avec le public pour donner des soins qui sont gratuits, qui sont universels, mais qui vont pouvoir, par exemple, décharger les urgences, qui vont pouvoir faire baisser les attentes en chirurgie. Depuis la pandémie, les cliniques privées réalisent maintenant plus de 10 % des chirurgies payées par Québec. Certaines se montrent déjà intéressées à gérer ces petits hôpitaux privés. On réussit, je crois, à en faire un peu plus avec un peu moins en termes d'utilisation des ressources. Les hôpitaux privés vont contribuer un peu à ce schéma-là, essayer de remettre le système de santé sur ses rails.